Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous ce soir au nom de Jésus. Je prie que la parole de Dieu soit un grand avantage pour tout le monde. Tout le monde ici doit comprendre que vous êtes venu ici pour être développé, quelle que soit la section de l'œuvre que vous trouvez, vous devez avoir une concentration totale. Que je dise ceci pour votre avantage. Il n'y a personne qui doit se trouver ici dans l'assemblée ou en dehors quelque part qui essaie de contrôler la réunion ou le ministre ou le message. Nous sommes ici afin d'apprendre et les apprenants doivent se soumettre à l'enseignement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Prions. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci de nous avoir amenés ici en tant que serviteurs du Seigneur, en tant que pasteurs et enseignants de la parole. Nous prions que ta parole rentre en nous et que nous recevions la parole pour aller profiter la vie des autres. Donne-nous la grâce et la force et la nouveauté de vie pour que nous recevions ta parole en tant que de véritables disciples et apprenants déjà consacrés, engagés à toi au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous ce soir, révèle-toi à chacun de nous et que ta révélation transforme toute vie, tout ministère en meilleur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Deutéronome 18, nous lisons du verset 15. Voici la parole que Dieu le Père a déclarée depuis le ciel, l'a déclarée aux enfants d'Israël et puis aux autres, c'est-à-dire nous qui suivons dans chaque génération, parce qu'il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Il a parlé du prophète à venir, se référant à Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous dit, en Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Il dit, « Vous l'écouterez. » Voilà le verset 18. 18 nous dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Il dit, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dit, il nous dit ce qui va suivre. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 dit, et si quelqu'un, un pharisien, un sadducéen, un hérodien, un israélite, un païen, et si quelqu'un n'écoute pas, ne prête pas attention, n'observe pas, n'obéit pas, ne se soumet pas, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Nous parlons de Christ, Christ le prophète, Christ le sacrificateur, Christ le prince. Ce soir, le titre est Christ le prophète royal. Il est royal parce qu'il est roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Christ, le prophète royal d'un sacerdoce éternel. Christ, le prophète royal d'un sacerdoce éternel. Le message est divisé en trois parties. 1. Le prophète révélé. Il était révélé par
un prophète. Dieu a dit à Moïse qu'un prophète comme toi, je le susciterai aux enfants d'Israël. Le prophète révélé avec le plein message du Père. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Le Père a donné à Christ le message complet. Point d'autre message après lui. Quiconque ajoute à ce message, j'ajouterai les plaies, les fléaux à sa vie. Quiconque retranche de cela, j'ôterai son nom du livre de vie que j'ai écrit. Alors c'est le message de Dieu, un message plein, pas de soustraction ni d'addition. 2. Le prince régnant avec la majesté finale la plus importante. La majesté finale la plus importante. Il est roi et il règne. Aujourd'hui, il règne dans notre cœur. Et aujourd'hui, il règne dans la famille de chaque croyant. Aujourd'hui, il règne dans chaque église qui lui appartient. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre son église. Il veut régner, il veut gouverner, diriger son église. Il ne veut pas que Satan règne dans son église. Il ne veut pas que la société, l'opinion des hommes, il ne veut pas que les incroyants, les rétrogrades règnent dans son église. Il veut régner et nous lui donnons l'occasion, la liberté que lui et lui seul va régner dans son église. Le prince régnant avec la majesté finale la plus importante. 3. Il est le sacrificateur rédempteur en tant que fidèle et dernier médiateur. Il est prophète, il est prince, il est sacrificateur. Allons au premier point. Premier point. Il est le prophète révélé avec le plein message du Père. Deutéronome, chapitre 18 et le verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Alors il était né parmi les Juifs. Il était envoyé d'abord aux Juifs, puis aux païens. D'entre tes frères, un prophète comme moi. Il sera comme Moïse, et puis vous l'écouterez. Moi, le verset 18 dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, parce que cela se réfère à quelqu'un qui est au-delà de l'humain, il est au-delà du naturel. Celui-ci, c'est le Christ. Il dit, un prophète, et ce sera parmi ses frères. Et comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. La parole qu'il déclare ne sera pas sa parole, mais c'est la parole que le Père a mise dans sa bouche pour toutes ses créatures, pour les Juifs et pour les païens. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas, ne prêtera pas attention, n'obéira pas, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Christ est ce prophète, comment le savons-nous? C'est dit en Acte 3, le verset 23, Acte 3, le verset 22, du moins 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et comme Pierre a répété cette prophétie,
Il nous disait au verset 23, « Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Lorsque le prophète là viendra, et il déclarera la parole de Dieu, il dira, « Repentez-vous et croyez à l'évangile, et toute âme qui ne va pas écouter ce prophète qui est Christ, quand il dit « Repentez-vous » et que l'âme là refuse de se repentir, elle sera détruite du milieu du peuple. » Le prophète là viendra, dira, « Que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Et toute âme, et quiconque partout, quelle que soit la partie du monde, et quiconque n'écoutera pas ce prophète à Christ, il n'écoutera pas Christ, il ne sera pas né de nouveau, ne connaît rien de la nouvelle essence, cette personne sera exterminée du milieu du peuple. Alors il va leur dire qu'il faut qu'il soit sanctifié parce que c'est la vérité qu'il a apportée, qui va sanctifier, qui va purifier, parce qu'il va souligner « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu et toute âme. » Et quiconque n'écoutera pas cela, qui va embrasser la religion sans la justice, qui va continuer avec la tradition sans la sainteté de cœur et de vie, cette personne sera exterminée du milieu du peuple. Il va leur dire que attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut qu'on écoute la parole que Christ a apportée. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, il dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Voilà le verset 26. Verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, Jésus, là. Alors, les apôtres l'ont identifié, qui le prophète là est, et dit que c'est Jésus, le prophète, celui-là qui est révélé à Moïse, et dit, c'est Jésus, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce que le Père lui a donné. Alors, il est le prophète qui a la plénitude du message du ciel qu'il nous a donné. Hébreux chapitre 1, Hébreux 1, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, parler à nos pères, aux Juifs, aux gens d'Israël, il leur a parlé par les prophètes. Il leur a envoyé Moïse. Moïse était prophète, un prophète comme toi. Il leur a envoyé Élie, Élisée, il leur a envoyé David, il a envoyé tous ses prophètes, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, il a envoyé jusqu'à Malachie, et il leur a envoyé ses prophètes. Alors, il a parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. 2 dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les prophètes, ce ne sont pas eux qui parlent maintenant, c'est par le Fils, c'est le Fils maintenant. Les prophètes qu'il a envoyés et qui va les envoyer, et il va mettre ses paroles dans la bouche de ses prophètes. Et tout ce qu'il a dit sera la parole, tout ce qu'ils diront sera la parole du Père. Maintenant, c'est dit, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé
le monde, par lequel il a créé le monde, il parlait de Jésus. C'est pourquoi il dit que tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus touche, enseigne, tout ce que Jésus proclame, alors c'est très important. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cela. On ne peut pas négliger ce qu'il a enseigné. On ne peut pas y désobéir. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Les choses qu'on a entendues sur la repentance proviennent de Christ. Ce qu'on a entendu sur la conversion provient de Christ. Les choses qu'on a entendues sur la justice, si votre justice ne surpasse pas la justice extérieure des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, il a parlé d'amender nos voies, il a parlé de la restitution. Et nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. De peur que au temps d'oubli, lorsque vous oubliez que vous devez entendre, vous devez croire, vous devez tout faire pour comprendre, vous devez vous efforcer afin d'obéir ce qu'il a dit. Que vous venez à la maison de Dieu, que vous venez au temps normal d'adoration, ou que vous soyez là au temps de formation, ou que ce soit au temps de développement. Le pourquoi vous êtes venu, c'est pour que vous entendiez, que vous compreniez, pour que vous croyiez, que vous consacriez, afin que vous soyez obéissant à la parole de Dieu. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Verset 2 dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, ce que les anges ont déclaré, les anges ont été envoyés à Sodome, et ce qu'ils ont dit, c'est accompli. Les anges sont envoyés aux prophètes. Un ange est apparu à Zacharie, que voici ce qui va t'arriver. D'accord, je suis vieux, comment cela peut arriver? Je viens de la présence de Dieu. Tu seras muet, tu ne parleras pas jusqu'à ce que cela soit accompli. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le salut que Christ a apporté? Et la parole dit que toute chair verra le salut du Seigneur. Si nous négligeons cela, la repentance et la foi en Christ, si nous négligeons la parole que voici le seul sauveur, il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, sinon par le nom de Jésus-Christ. Alors, croyez au Seigneur Jésus-Christ et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si nous négligeons cette parole de salut, comment échapperons-nous? En négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ils l'ont entendu, ils ont cru en lui, ils l'ont compris, ils l'ont obéi, ils lui ont obéi. Alors ayant obéi au Seigneur, ils nous ont transféré cela. S'étant totalement soumis à la parole que Christ leur a déclarée, maintenant il s'adresse à nous. Et le verset 4 dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons à Jean chapitre 8, verset 24. Jean 8,
Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ouais, ces gens sont remplis d'incrédulité. Ils ne croyaient pas à tous qu'ils croient à Moïse, mais ils ne croient pas à la parole que Dieu a déclarée à Moïse, que voici le Christ, que voici Jésus, que voici le prophète qui doit venir. Et Jésus a dit que si vous demeurez dans l'incrédulité, si vous demeurez dans le rejet de la personnalité de Christ, ce qu'il fera, il dit, si vous rejetez cela, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas, nous allons toujours au verset, nous allons au verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, ce que je suis. Celui qui proclame, celui qui a été proclamé, celui qui a été prophétisé, que je vous donnerai un prophète, ce sera parmi ton peuple, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et quiconque n'écoutera pas, ne croira pas, quiconque n'acceptera pas, quiconque n'obéira pas à ce prophète que j'envoie, il sera exterminé du milieu du peuple. Alors, et leur envoie Jésus. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je mettrai ma parole dans sa bouche, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours, j'enseigne toujours, je dis toujours, je déclare toujours ce qui lui est agréable. C'est Jésus-Christ, c'est lui que le Père a envoyé. Nous allons à Jean 12, verset 49. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Voici le prophète. Voici ce prophète. Voici le prophète révélé que la parole dit que qui viendra le Père, Dieu du ciel, mettra sa parole dans sa bouche. Il a dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois dire et annoncer. Voyons le verset 50. 50 dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Quel que soit ce que Christ a enseigné, ce que Christ a dit, il dit que c'est exactement ce que le Père lui a donné. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les paroles qu'il a déclaré, il a envoyé le Fils de l'homme, que le Fils de l'homme est venu appeler les pécheurs à la repentance. Est-ce que vous êtes appelé à la repentance? Est-ce que vous avez répondu à la parole de la repentance? C'est la parole de Christ, la parole du Père. Tout ce qu'il a dit, et c'est comme le Père est éternel, de même Christ est éternel. Ainsi, sa parole est éternelle. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a souligné, nous ne devons pas seulement écouter, nous devons nous soumettre à la parole qu'il a déclarée. Tout d'abord,
dans notre vie personnelle, tout ce qu'elle a dit, la voie pour aller au royaume de Dieu, il l'a révélé, il a dit, il y a la voie étroite, il y a la voie spacieuse, il y a le chemin étroit, il y a le chemin spacieux, large qui conduit à la destruction, et plusieurs se trouvent sur ce chemin. Il y a la porte étroite, le chemin resserré, la voie qui conduit au royaume de Dieu. Il y a peu qui le retrouvent. Est-ce que vous écoutez ce message-là? Est-ce que vous obéissez à ce message? Est-ce que vous êtes obéissant à ce message? Est-ce que vous soumettez à cette parole? Seuls ceux qui se soumettent à cette parole, ce sont eux qui vont entrer dans le royaume du ciel finalement. Allons à Jean 4. Et le verset 25, Jean 4, verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » C'est un autre titre pour le prophète à venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses personnelles, toute chose dévotionnelle, toute chose spirituelle, toute chose dans notre vie, toute chose dans l'œuvre qu'on doit faire, toute chose qui doit nous conduire pour le ciel finalement. Je sais que le Messie viendra. Je sais que le prophète promis viendra. Je sais que le prophète prédit révélé viendra. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera, il nous dira toute chose. Le verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Lui-même l'a confirmé. Je le suis. Le Père l'a confirmé. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et les apôtres aussi ont dit, comme le Père Dieu, que Dieu a suscité Jésus-Christ et l'a envoyé vers vous pour vous détourner de vos péchés. Il y a la confirmation du ciel, il y a la confirmation sur la terre, il y a la confirmation parmi les dirigeants dans l'Église et la confirmation de tous côtés que Jésus est ce prophète et lui-même l'a confirmé que moi qui vous parle, je le suis. Et l'a dit à ces pharisiens que si vous ne croyez pas que je suis, alors vous périrez, vous mourrez dans vos péchés. Nous allons au deuxième point qui est le prince régnant avec la majesté finale la plus importante. Le prince régnant, c'est lui qui règne. Alors il veut régner maintenant dans chaque cœur qui croit en lui, afin qu'il n'y ait pas de rival, que le moi ne soit pas un rival au sauveur, que la société, les choses de ce monde ne soient pas des rivaux à Jésus-Christ dans notre cœur. Il veut diriger, il veut régner dans chaque cœur. Pourquoi? C'est lui qui est le prince, c'est lui qui est le prince régnant avec la majesté finale la plus importante. Retournons à Deutéronome 18, verset 15. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Comme toi. Moïse n'était pas seulement un prophète comme toi. Il est quelqu'un qui a dirigé, quelqu'un qui a donné des commandements, quelqu'un qui a le dernier mot en Israël. Et il va susciter un prophète comme toi. Et il aura le dernier mot. Il sera un roi. Il sera un prince. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et lui, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Moïse a déjà parlé. Il a dit que cela ne va pas, que tu ne diminueras rien de sa parole, ni ajouter quelque chose de sa parole. Ce prophète que Dieu enverra
et qui sera comme toi, il n'ajoutera ni ne retranchera de la parole. Et les gens qui suivent ce roi, les gens qui suivent ce prince ne vont pas ajouter, ne vont pas retrancher de la parole de Dieu. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Quiconque se lève et qui ne va pas confirmer et affirmer la parole de Christ le Prince, la personne sera un faux prophète, un faux prédicateur, un faux pasteur, un faux proclamateur. Mais nous devons identifier avec Christ, si nous sommes à Christ, toutes les paroles qu'il a dites du Père, alors cela est confirmé et affirmé. Le fait, le Père a fait qu'il est roi. Allons au psaume 2. Psaume 2, verset, oui, psaume 2, le verset 6, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel, verset, psaume 2, 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Voici le Père qui parle au Fils. C'est-à-dire Dieu qui dit au Prince. Dieu dit au Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous allons au verset 12. Je vous ai dit, baisez le Fils, croyez au Fils, embrassez le Fils, aimez le Fils, soumettez-vous au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, contre les rebelles. Il dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans chaque parole que Christ a déclarée, dans chaque parole que les prophètes ont déclarée, Christ a parlé et dit que nous devons croire, nous devons accepter. Et si nous faisons cela, nous obéissons au roi, nous obéissons au prince, et que notre portion sera la bénédiction de la vie éternelle. Ésaïe 9, verset 5. Car un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le gouvernement, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince numéro un, il amène la paix dans notre cœur, la paix, parce qu'il est notre paix. Il s'est sacrifié afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, la paix. Et étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors, il nous donne aussi la paix parmi ceux qui se contredisaient, parmi les Juifs et les païens. Alors, il a apporté la paix parce qu'il a brisé le mur de séparation. Alors, c'est lui qui apporte la paix entre la religion contradictoire. Et c'est lui qui apporte la paix quand il instaurera son règne millénaire. Il aura la paix partout. Il aura la paix pendant 1000 ans.
Il est le prince de la paix. Le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ce que fera le zèle, ce que fera le zèle de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Nous allons aux Actes, chapitre 3. Actes 3. Actes chapitre 3, le verset 22. Voici le Christ qui apporte la paix, le Christ qui a le pouvoir d'écraser tout ce qui est contraire à la paix dans chaque vie et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ce que nous voulons souligner maintenant, c'est ce que Dieu lui-même a dit de lui, que nous devons l'écouter, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Actes 3, 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, a certainement dit cela. » Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » On ne doit pas avoir une autre doctrine, une autre opinion, une autre idée. Un message différent de ce que le roi qui a décrété, le roi qui a souligné, le roi qui a dit comme voici le chemin, marchez-y. Parce que quiconque n'écoutera pas ce qu'il dit sera jugé. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas, quiconque, je crois que vous savez, ici dans le monde, dans l'église, pour des fins d'administration, on a les pasteurs d'État, nationaux, régionaux, tout cela n'est pas au ciel. Au ciel, quiconque, toute âme. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, ce prince, ce roi, quiconque, un homme, une femme, un homme en haut là-bas, une femme en haut là-bas, une femme en bas ici, un homme en bas ici, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il veut régner, oui, parce que c'est ce que le Père a ordonné. Matthieu 13, il y a des gens qui sont hautement élevés dans la religion, il y a des gens qui sont approfondis dans la religion, qui croyaient avoir la liberté pour obéir ou non. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voilà le verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux
et vous ne verrez point. Nous allons au 15. 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Ils ne sont pas convertis. Oui, quoi qu'ils aient entendu, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait d'efforts, quoi qu'ils aient vu, mais ils n'ont pas vu que voici le Christ, le seul sauveur. Que voici le seul sauveur ou la seule expiation pour nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, ils se sont aveuglés, ils sont lents à entendre, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le Seigneur veut qu'on comprenne que le Père l'a ordonné, que lui, il sera le roi, il sera le prince. Et c'est à nous de dire que oui, nous croyons en lui. Nous allons à Jean 8, verset 42. Jean 8, 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. » Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, le Père, qui m'a envoyé. L'accomplissement de la prophétie que Dieu lui-même a dit, qu'il l'enverra, il enverra un prophète, et j'ai établi mon roi sur ma montagne de Sion. Et tout le monde qui l'accepte, quiconque l'accepte, se soumet à lui, l'accepte de tout son cœur. Alors, voyons ceci. Ces gens ne vont pas croire. Et il leur a dit, voyons le verset qui suit là-bas, le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il a parlé de la sainteté, mais leur cœur était dépravé, ils ne vont pas entendre. Il a parlé de la nouvelle vie, la vie éternelle, mais il y a beaucoup de la vie ancienne. À cause de la vie ancienne à laquelle ils s'attachent, ils s'accrochent, l'ancienne vie ne leur a rien donné. Alors, vous ne pouvez pas entendre mon langage, ma parole. 44 dit, il leur a maintenant dit, ceci est direct, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité. Pas de vérité, pas d'honnêteté, pas de transparence en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il nous a dit de diverses manières que c'est lui qui est venu avec le dernier message et qui porte la majesté finale. Et cette parole, Il veut que la parole soit écrite dans chaque cœur. Jean 9, 7. Jean 9, verset. Jean 9, 27. C'est l'histoire de l'orbe né aveugle. Jésus lui a dit,
d'aller se laver à la piscine. Il est allé se laver et de retour, il voyait clair. Les pharisiens commençaient à argumenter. Non, ce n'est pas lui. Il dit que oui, je le suis. C'est moi l'homme là. J'étais aveugle. Maintenant, je peux voir. Il dit que non, on acceptait ça. Ils ont appelé les parents. Est-ce votre fils? Est-ce que vous dites qu'il était aveugle? Comment voit-il maintenant? Il dit que oui. Que numéro 1, il est notre fils. Numéro 2, il était né aveugle. Numéro 3, on ne peut pas le dire. Comment ses yeux sont ouverts? Parce qu'il avait peur. Que si quelqu'un confesse ouvertement, audacieusement, si quelqu'un confesse sans aucune ombre de doute, que c'est lui, Christ, le prophète, le prince, alors la personne sera exclue de la synagogue à cause de cela. Il a dit, mais il a de l'âge. Demandez-lui, il va en parler. Alors, et dit, que je vous l'ai déjà dit. Et il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas accepté. Pourquoi? Voulez-vous l'entendre encore? Vous regardez la question. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? D'accord. Vous voulez que je vous en parle encore? Est-ce que vous demandez ceci afin que vous soyez ses disciples? Voyons le verset qui suit, le verset 28. Il est l'injurière. Et l'insultère. Il le dénigrèrent. Il l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Quand les gens disent des choses qu'ils ne comprennent pas, nous sommes disciples de Moïse. Non, vous ne l'êtes pas. Si vous étiez disciples de Moïse, vous aurez cru. Ce que Moïse avait, vous croiriez ce que Moïse a écrit. Dieu a envoyé un prophète, le grand P. Moïse a dit que Dieu enverra un prophète. Comme moi, il sera choisi au milieu de vous. C'est lui que vous écouterez dans toutes choses. Vous, homme aveugle, vos yeux sont... Alors, tes yeux sont ouverts. On ne peut pas augmenter cela. Mais tu es son disciple. Mais nous, là, nous sommes disciples de Moïse. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'au dernier jour, lorsque le jour du jugement viendra, je ne vais pas vous condamner. Moïse, quand vous professez croire en lui, lui va vous condamner. Parce que Moïse, vous dites que vous êtes ses disciples. Cependant, vous n'allez pas écouter ses paroles. Je prie que nous ne soyons pas comme eux. Amen. Nous allons croire à la parole de Dieu. Nous allons accepter Christ. Nous allons nous prosterner à Christ. Nous allons nous soumettre à Christ. Nous allons nous abandonner à Christ. Tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un, quand on lit la parole de Christ, parce que cela contredit sa dépravation, cela contredit sa vie de péché, cela contredit sa rébellion, il ne va pas accepter. La personne sera amenée au jugement et à la destruction au dernier jour. Luc 19, verset 12, cela parle de Jésus. Jésus, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Voyons le verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. C'est la parole du roi. C'est la parole du prince. C'est la parole de ce prophète révélé. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
qu'à ce qu'il revienne. Si vous n'y obéissez pas, vous êtes l'un de ses serviteurs. Il donne les dons, il donne les talents. Il nous a donné la commission, il nous a donné la parole à aller prêcher. Mais quand on regarde le visage des hommes, à cause de la peur, tu dis, je crois que j'ai assez fait, je crois que j'ai assez dit. Et tu ne t'en occupes pas jusqu'à ce qu'il soit là. Tu n'obéis pas à tu n'obéis pas à la parole du prophète, tu n'obéis pas à la parole du prince. Il veut qu'on se préoccupe de l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Alors, lorsqu'on s'occupe à prêcher la parole de Dieu, nous n'allons pas faire cas des hommes. Parce que nous allons prier la parole de repentance parce qu'il veut que toute âme se repente. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience afin que personne ne périsse. Alors, il veut que cela continue jusqu'à ce qu'il soit là. Et le verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est pourquoi ils ont rejeté les pharisiens, les sadducéens. C'est ce qu'ils ont dit. Que Christ, ils ont dit, crucifiez-le. C'est pourquoi Pilate s'est lavé les mains. Je suis innocent du sang de cet homme innocent. Mais tu es coupable parce qu'il l'a battu de verge et l'a remis, l'a livré au bourreau qui l'ont crucifié. Et tous ceux qui ont dit, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous. Ces gens-là, ils disaient que nous n'aurons pas cet homme. Nous n'allons pas accepter que cet homme règne sur nous. Verset 27. 27 nous dit, au reste, amenez ici mes ennemis, les gens qui ne veulent pas que Christ règne dans leur cœur. Ils sont ses ennemis. Les gens qui ne vont pas céder le trône de leur cœur à Christ afin qu'il règne, qu'il dirige sans rival, ce sont ses ennemis. Les gens qui aimeraient mieux se soumettre à la chair et que de renier le moi, que le renoncement à soi n'est plus. Tout ce qu'ils veulent maintenant, oui, c'est l'indulgence de soi. Je vais faire ce que je veux à tout moment, quel que soit le temps, quel que soit l'heure, partout et quel que soit le jour et chaque jour, que le moi est sur le trône de leur cœur. Et Jésus le roi, Jésus le prince n'est pas celui qui règne dans leur cœur. Ils sont les ennemis de Christ. Les gens qui rejettent la parole du Seigneur, alors ils forment leur idée, leur opinion. Ils disent que oui, qu'il parle, moi aussi je parle. Il a dit si moi je désire. Il dit que voici la voie. Je dis non. Je dis voici la voie. Alors tous les gens qui contredisent Christ, tous les gens qui ne vont pas accepter, qui ne vont pas vouloir que la volonté, la parole de Christ règne dans leur cœur, ils sont des ennemis de Christ. Mais c'est dit que au reste amené ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alors ils auront part à la seconde mort, ils auront part à la souffrance de l'étang de feu. Alors, c'est son droit. Il veut régner. Il veut régner. C'est ce que le Père a ordonné. Et si nous sommes de véritables disciples de Christ, nous allons nous soumettre. Nous allons nous abandonner. Nous n'allons pas argumenter. Nous n'allons pas tirailler avec lui. Nous n'allons pas avoir une volonté due et dire non. Je dis non, non à Christ. Alors, c'est lui le prince régnant et veut régner
dans chaque cœur. Et toute autre idée, toute autre opinion va se soumettre et sera subjuguée, ensevelie pour toujours au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point maintenant, il est le sacrificateur rédempteur avec... Il est le sacrificateur rédempteur en tant que fidèle et dernier médiateur. Nous allons à 1 Samuel chapitre 2, le verset 35 qui dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle tel qu'il a dit, qui va susciter un prophète tel qu'il a dit ça, je siégerai mon roi sur ma montagne sainte Sion. » De la même manière, il a dit que je susciterai un sacrificateur fidèle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon nom. Ici, c'est le Seigneur Jésus, le prince, le sacrificateur qui fera ce qui est dans la pensée du Père. Il sera le prince, le sacrificateur éternel. Psaume 110, verset 4. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisédek, Jésus-Christ est ce sacrificateur qui rachète et il vient en tant que notre fidèle et dernier médiateur. Hébreux chapitre 2, 17. Christ est le sacrificateur, le dernier sacrificateur, et selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Et dit que dans toutes choses, alors, il convient qu'il soit comme ses frères, et qu'il soit le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Et c'est lui qui doit faire la réconciliation avec Dieu pour les péchés des gens. Il est prophète, il est prince, il est sacrificateur, et c'est lui qui a été ordonné par le Père pour faire la réconciliation pour tout le monde. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, et c'est par son sang qui a fait tout ce que le Père a ordonné. Par son sang, nos péchés sont pardonnés. Il est l'expiation pour nos péchés. Quand nous confessons cela, c'est lui qui confirme cela, parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Le verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Voilà le verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire
d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Voilà le verset 4. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Verset 5. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il a confirmé, ces versets le confirment qu'il est le prince et le souverain sacrificateur de notre profession. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, c'est le sacrificateur, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Notre profession, je crois en Christ. Il est mon sauveur. Christ est mon Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon Seigneur, mon contrôleur. Mon Seigneur, mon souverain. Mon Seigneur, mon gouverneur. Mon Seigneur, celui qui règne dans mon cœur. Lorsque la tentation surgira, alors pour que vous ayez appliqué votre idée, votre opinion, votre volonté, vous mettez cela au-delà de l'écriture, au-delà de la parole de Christ, vous dites non, que je demeure ferme, je tiens ferme ma profession que Christ est, je retiens fermement ma profession que Christ est mon Seigneur et mon Dieu, je me soumets à lui. Chapitre 5, le verset 4, Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Le verset 4, verset 5 du moins. Et Christ ne s'est point non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le verset 6 dit, « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Verset 9. 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ceux qui sont rebelles, qui font leur volonté, qui exactent leur opinion au-delà du message de Christ, mais c'est dit que est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Que le Seigneur nous donne une grâce abondante pour obéir à ce souverain éternel au nom de Jésus. Chapitre 6, verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance
qui nous était proposé. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 7, verset 25, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est un souverain sacrificateur. Il est maintenant à côté du Père Céleste. Il intercède pour nous. 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. C'est Christ. Comme lui, saint, c'est lui, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Cela nous dit, tous ces chapitres nous disent que Christ est le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur qui a été sacrifié pour nous faire quelque chose dans notre corps, dans notre vie. Il nous purifie. Il nous perfectionne. Hébreux 13, verset 11 nous dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. Le souverain sacrificateur amène les corps qui sont brûlés hors du camp. 12. C'est pour cela que Jésus, on a parlé de souverain sacrificateur au verset 11, 12 dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13 dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 14, car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Il est le prince, il est le prophète. Alors il fait de nous prophètes, il est le souverain sacrificateur, il fait de nous des sacrificateurs. Il est prince, il fait de nous des princes. Il est le souverain sacrificateur, il fait de nous des sacrificateurs. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En tant que souverain sacrificateur, il s'est sacrifié pour nos péchés. Il a versé son sang pour la purification de notre sang. En tant que souverain sacrificateur, il a changé notre cœur. Alors il intercède pour nous afin que nous menions la vie d'une personne transformée, changée, ayant une nouvelle vie, ayant la vie éternelle. Et en tant que souverain sacrificateur, il met l'exemple devant nous. Comment vivre? Nous sommes maintenant une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte pour que nous annoncions la justice, la louange, la gloire de celui qui nous a
appelé. C'est pourquoi il nous dit au verset 21, 1 Pierre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il nous a montré la vie qu'on doit mener, et maintenant nous suivons ses pas. Verset 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtres issus duquel vous avez été guéri. » Il a guéri nos âmes, il a guéri notre cœur, il a guéri les cœurs brisés, il a guéri le corps. C'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Maintenant nous venons à lui et nous le suivons. Alors nous l'acceptons, nous soumettons à lui en tant que le prophète est révélé, nous nous soumettons à lui en tant que le prince régnant, et nous nous soumettons à lui en tant que le sacrificateur rédempteur. Cette soumission va se démontrer dans la nouvelle vie que nous menons chaque jour et par nous. Alors d'autres vont venir dans le royaume au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et remettons tout ce que nous avons appris, tout ce qu'on a écouté, remettons tout au Seigneur. Maintenant, nous savons que Jésus est ce prophète-là. Le prophète a venu, il est venu, il s'est sacrifié. Alors, il reviendra. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Tout ce que j'ai entendu, j'accepte ça. Je crois. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Le prophète révélé, il a déclaré la parole du Père à nous. Et nous devons écouter la parole. Nous devons croire la parole. Nous devons nous soumettre à la parole. Observer la parole, obéir à la parole. C'est lui qui a dit que vous devez naître de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de l'esprit? Le prophète qui a dit que portez des fruits de la justice. Est-ce que vous avez obéi? Est-ce que vous obéissez au prophète? Ne soyez pas comme les pharisiens qui ont endurci leur cœur. Ils étaient là à tout moment que Christ, le prophète révélé, parlait. Ils étaient là pour juger. Ils étaient là pour comparer ce que Christ a fait, ce qu'il a dit avec leur tradition. Si ce que Christ a dit ne va pas avec leur tradition, alors ils vont s'endurcir. Ils vont désobéir à Christ. Et ils ont péri. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. Écoutez sa parole. Croyez à sa parole. Acceptez sa parole. Abandonnez vos opinions. Enterrez votre désobéissance et soumettez-vous à Christ. Et que toute âme qui ne veut pas entendre ce prophète sera détruite du milieu du peuple.
Écoutez-le. Croyez à lui, obéissez-lui. Acceptez la révélation que le Père a donnée. Au sujet de son fils, que la révélation révolutionne votre vie. Ne venez pas comme les gens au temps d'Ézéchiel. Ils écoutent mais ne vont pas faire. Jusqu'à ce jour, et il continue de faire les anciennes choses. Comprenez, croyez, soumettez-vous et obéissez à lui. Christ, le prince qui règne. On ne peut pas comparer sa parole à votre opinion. Il ne faut pas rivaliser avec Christ. Nous ne serons pas jugés au dernier jour par votre opinion. Votre vie votre style de vie votre caractère votre conduite sera évaluée par sa parole le prince qui règne quiconque entend mes paroles et qui les pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Le vent souffle et les torrents viennent. Et cette maison se tient ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc. Le roc de sa parole. Mais quiconque entend mes paroles et qui ne les pratique pas, vous êtes rempli du moi. La personne est imbue de ses opinions personnelles. Il est regorgé de dépravation. Il est plein, saturé du monde. Il écoute mes paroles et ne les pratique pas. Il est semblable à l'homme qui bâtit une maison religieuse. Il peut être fanatique, très zélé. Chaque fois courir par-ci, par-là, mais il écoute la parole et ne les pratique pas. Alors, il est comme un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Le sable mouvant des opinions des hommes et le vent va souffler violemment et les torrents vont venir contre, vont frapper cette maison religieuse. Cette maison va s'effondrer, va tomber. Et sans remède, elle ne peut plus être rebâtie. Et cet homme-là, avec son fanatisme religieux va périr à jamais.
toute la parole, toutes les paroles qu'il a déclarées sont éternelles dans toute génération de tous ceux qui croient en lui. En tant que le règne, en tant que le prince régnant, tous ceux qui obéissent à sa parole. N'allons pas nous égarer vers les fausses doctrines. On ne va pas aller aux doctrines des pharisiens, des sadducéens. Où êtes-vous? Est-ce que vous prenez sa parole comme la parole du prince régnant? Mais est-ce que vous rivalisez avec le prince? Oh ben vous faites déjà un antéchrist qui règne dans votre cœur, qu'il règne dans votre famille, qu'il règne dans son église. Que Christ règne dans son église. Ne soyez pas compétiteur avec Christ dans son église. Que Christ règne. Enterrez vos idées personnelles, vos opinions personnelles. Enterrez votre entêtement. Que Christ règne dans son église. Il nous est révélé en tant que le souverain qui rachète. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous savons qu'il a paru pour ôter nos péchés. Et en lui, il n'y a point de péché. Celui qui demeure en lui ne pêche pas. Quiconque est né de nouveau, né de Dieu, ne pratique pas le péché. Mais la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, il ne péchera pas, parce qu'il est né de Dieu. Car nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais quiconque est né de Dieu se conserve pur. Et le malin ne le touche pas. Sa rédemption nous a affranchis. Affranchis du péché. Affranchis du moi. Affranchis d'imposition satanique. Prophète, sacrificateur, il est prince. Permettez-lui de faire son œuvre, de bien remplir son ministère. Un prophète, un prince et un souverain sacrificateur dans votre vie et aussi dans son église. Ne repoussez pas Christ. Ne le remplacez pas dans son église. Avec votre personnalité dépravée. Que Christ règne, dirige, gouverne dans sa maison. Père, nous te remercions pour ce que nous avons appris. Je prie que cette parole porte de fruit dans chaque vie au nom de Jésus. Purifie ton peuple, lave ton peuple, épure ton peuple. Et nous prions que tout ce qui est du moi, tout ce qui est de la chair, soit crucifié
et soit mise à mort dans chaque vie et dans l'Église au nom de Jésus. Sois le prophète qui parle et ta parole sera finale pour nous. Sois le prince qui décrète et ton décret sera final pour nous. Sois le sacrificateur qui purifie et ta purification sera finale dans chaque vie. Dirige, gouverne sans rival dans ton Église. Et nous prions que tu règnes dans notre cœur, que tu règnes dans notre famille, que tu règnes dans ton sanctuaire au nom de Jésus. Et partout nous allons, au boulot, partout où on se trouve, partout dans l'Église, en dehors de l'Église, nous allons élever Christ, nous allons exalter Christ et nous allons lui permettre, et sans rival, d'être le prophète révélé, d'être le prince régnant et d'être le sacrificateur et rédempteur partout au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi. Amen.